une pièce de théâtre classique qui regroupe trois éléments, une même unité de temps, de lieu et d'action. La cérémonie que préside M. le ministre d'État des enseignements supérieurs compte trois articulations majeures. D'abord, un colloque scientifique sur l'exception du droit, axé sur deux interventions, à savoir les fondements constitutionnels du droit commercial et la rencontre tripartite sur la réflexion d'une technologie politique de sortie de crise au Cameroun. Deuxième élément, une présentation des mélanges et 10 allocutions. Cette deuxième partie comportera une note de lecture suivie d'une interprétation sur le thème « La didactique de l'exception, objet de mélange en l'honneur du professeur Joseph Corona ». Et troisième partie, la remise des mélanges, proprement dit, sous la conduite du ministre d'État des enseignements supérieurs par les auteurs, les anciens collègues et les étudiants. Je vais immédiatement inviter pour la locution d'accueil le professeur agrégé de droit à Abalé Moro Patrick Edgar, professeur titulaire, directeur du Centre d'études et de recherche professionnelle, administrative et financière. Bonne année à Bob Dam. Il est exceptionnel de voir, comme dans ce livre, l'adhésion de la quasi-totalité des maîtres du droit public, dont un panel, on l'a indiqué, de professeurs uniquement titulaires, va rapidement exposer tout à l'heure et en essayant de respecter le chronogramme qui a été donné dans le programme. Bonne année à Bobouemba. Si l'exception peut être appréhendée du point de vue de la science, quelle est donc la souche référentielle à partir de laquelle cela est possible? Et je me suis dit, par exemple, à partir du moment où on parle de la rareté, on renvoie à la particularité et donc à des cas. Or, il existe quand même un terrain du droit qui n'est pas toujours très exploré, qu'on appelle peut-être pour nous encore la casuistique. Les spécialistes du droit me pardonneront ça, d'aller les tenter leur territoire de référence. Mais, partir du moment où on accepte que l'exception peut faire partie des cas spécifiques, des cas qui dérogent à la règle, des cas qui dérogent à la norme, et qui rendent l'exception possible, non pas du point de vue de son absolu, mais parce que l'exception pousse à comparer toujours deux choses, une qui est normale et l'autre qui est exceptionnelle. Bonne année à Bobouemba. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication. Excellence, Monsieur le ministre, de l'aider auprès du ministre de l'État en charge de la justice. Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil constitutionnel. Mesdames et Messieurs, en vos grades et titres respectifs. Mesdames et Messieurs, vous comprendrez aisément qu'avant de débuter ma communication, que mon premier propos soit pour remercier ceux qui m'ont fait l'honneur et l'amitié de m'associer à cette cérémonie sur la guerre de revenir. Des mélanges à un maître admiré, Monsieur le professeur Joseph Corona. Je pense notamment à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, parrain de cette cérémonie, aux membres du comité d'organisation et aux porteurs du projet de ces mélanges. Cela dit, mesdames et messieurs, la question peut bien se poser, et elle vient de l'être, de savoir ce qu'un juriste privatiste fait au milieu d'éminents professeurs de droit public et de sciences politiques réfléchissant sur la Constitution qui constitue, pour ainsi dire, leur principal support de travail. J'ai choisi de mettre en exergue les fondements constitutionnels de l'une des plus importantes matières du droit privé, à savoir
le droit commercial, lequel est par définition justement un droit d'exception. En effet, dans les rapports entre particuliers, alors que le droit civil constitue une règle, d'où sa dénomination de droit commun, le droit commercial est quant à lui l'exception en ce sens qu'il ne s'applique que dans la mesure où ont été prévues des règles spéciales dérogatoires. Tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. Le législateur camerounais, je termine par là, le législateur camerounais, chargé de son implémentation concrète, s'y est toujours conformé, notamment en matière commerciale. En effet, toutes les lois organisant l'activité commerciale du Cameroun commencent toujours fort opportunément par le rappel de ces principes. La dernière en date, la loi du 21 décembre 2015, régissant l'activité commerciale au Cameroun, dispose en son article 5 que je cite « L'exercice de l'activité commerciale sur l'étendue du territoire national par toute personne physique ou morale est libre sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. Ainsi, soulignant inscrit dans le lancement juridique camerounais, ce principe signifie que tout le monde peut entreprendre, c'est le principe de la liberté d'entreprendre, mais également que tout le monde peut gérer son entreprise comme il entend, c'est le principe de la liberté de gestion. Alors, monsieur, je vous remercie. Excellences, messieurs les membres du gouvernement, sur le recteur universitaire de Kouala, sur le doyen, chers collègues, monsieur le chef de département de l'université Yaoundé, chers maîtres, les mélanges en maîtres constituent une œuvre à la fois enthousiasmante et ardue. La question est de savoir ce qu'on devrait dire ou alors, lorsqu'on n'a beaucoup à dire, je leur son partage une double filiation à la fois familiale et scientifique. En saluant l'initiative de cette célébration qui nous rappelle notre identité, je voudrais simplement porter mon affection filiale au maire de l'université, au savant, le professeur Joseph Owona, au grand ami de l'État, véritable jurisconsulte de qui nous tenons ces propos saisissants. Le Cameroun est une nation du hasard. Ces lignes traduisent de la part de l'auteur son infinie reconnaissance pour son immense contribution au rayonnement national et international de l'Université camerounaise. Il sait ce que je lui dois simplement, ce qu'il m'a précisément offert. Pour notre méditation apostolique, nous avons choisi de revenir sur le contenu du thème de la rencontre tripartite, mais d'évoquer un écho à l'apport du maître à la construction de l'État, un terme moins juridique à savoir le passage. Oui, le passage à l'image de celui qui est passé en faisant le bien, lui le bien par excellence. Vous avez été, cher maître, vous avez marqué l'histoire de notre temps, de notre pays, une histoire d'évolution par une action transformatrice qui fait de vous l'architecte désintéressé d'une part et l'ingénieur infatigable d'autre part du chantier de construction de notre État républicain au service du Cameroun, sauf notre unité dans le respect de la diversité. Vos idées positives nous autorisent à vous identifier à Michel Debré, toute proportion gardée. Convaincu avec Pierre Mendès France que les hommes passent, l'incité nationale demeure. Reconnaissons avec le vote, en lisant notre constitution, qu'elle est à la fois parlementaire et présidentielle. À la mesure de ce que nous commande à la fois les besoins d'équilibre et les traits de caractère, une telle œuvre, cher maître, mérite une reconnaissance à la mesure de ces pages à peine commencées
et à vous dédier. Certainement, il ne suffit pas d'être un grand homme. Il faut être bon moi. Vous l'avez été, vous l'êtes, vous le demeurez. Merci. Le Cameroun nouvellement indépendant va s'illustrer assez tôt dans la prise en compte du sport comme élément important de l'unité nationale et de son déploiement international. On peut relever au passage un arrêté de 1962 qui désigne les sports dont la pratique est autorisée au niveau du territoire. On peut également signaler que le Cameroun va adhérer aux organisations sportives internationales majeures assez rapidement. 1962, le Cameroun adhère à la FIFA. 1963, le Cameroun adhère à l'OCIO. Et on a déjà, tout au début des années 60, quelques distinctions olympiques. L'homme que nous célébrons aujourd'hui, on peut dire, a joué sa partie. Il a été ministre de la Jeunesse des Sports et nous rappelons sa descente d'avion en 1998, le point levé. Nous nous souvenons de la campagne de 2000. Cameroun des champions d'Afrique. Et l'exception, il a été responsable d'une association sportive puisqu'il a opéré comme président du comité de normalisation. Je vous remercie. Je me suis intéressé dans le cadre de Saint-Mélange à une thématique qui peut susciter à la fois des passions, des interrogations, c'est le rapport entre les pouvoirs dans le régime politique camerounais. Je voudrais indiquer que dans l'État, il y a le pouvoir, il y a les pouvoirs. Le pouvoir, c'est l'élément constitutif, c'est un élément de définition de l'État, à côté de la population et, n'est-ce pas, du territoire. Lorsqu'on prend l'aspect organique, et si on s'intéresse à l'élément central qui est l'exécutif, on peut se rendre compte qu'il y a une domination de l'exécutif sur le Parlement et qu'il y a une sorte d'ascendance de l'exécutif sur le démissionnaire. La domination l'exécutif sur le Parlement, par rapport au fait que l'exécutif intervient dans la constitution du Parlement, qu'il s'agisse du Sénat ou, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. On peut se rendre compte également que l'exécutif influence, n'est-ce pas, de façon ou d'autre, au regard de la constitution, l'articulation même, n'est-ce pas, de ces différents organes du Parlement. Le régime politique camerounais, du point de vue constitutionnel, est un régime d'agencement des pouvoirs qui marque à la fois l'ascendance d'un pouvoir sur les autres, mais aussi une collaboration entre les différents pouvoirs. Et les études, les écrits au second-là, eh bien, se sont inscrites moins dans ce que j'ai dit que dans l'analyse à la fois du juridique et du factuel. Et je pense que cette analyse du juridique facile traduit aussi l'exceptionnalité de ces études. Je termine en disant que l'exception en droit est une dérogation de droit. Mais cette exception en droit peut aussi participer d'un droit d'exception. Un droit d'exception qui est à la fois un droit de crise, mais en même temps un droit autonome. Je voulais terminer par une propos de la semaine. Pour dire au professeur Joël Tournat que depuis quelques années que je l'ai connu, eh bien, j'ai été marqué par sa simplicité, par sa disponibilité. Je voudrais qu'il considère ces deux aspects comme des pouvoirs, qu'il continue à être avec nous à temps et à contre-temps. Je vous remercie. Je vais commencer par vous rappeler ce qui s'est produit il y a quelque temps au Mali. Le directeur de cabinet du vice-président de la transition a saisi la Cour constitutionnelle du Mali
sur la question de savoir qui prendrait la suite du pouvoir après la démission, je ne vais pas la qualifier, du président de la transition. La Cour constitutionnelle du Mali, dans un arrêt du 28 mai 2021, va d'abord constater que ni la Constitution, ni la Charte de transition d'octobre 2020 ne prévoyaient cette situation. En novembre 2018, la Cour constitutionnelle du Gabon constate que la Constitution est silencieuse en matière d'absence temporaire du président de la République pour quelques causes, ici c'était la maladie. Et cette Cour constitutionnelle en vient à compléter, à écrire de façon concluante au pouvoir constituant la norme constitutionnelle. Au grand maître qu'est le professeur Joseph Kouna. Et je l'ai fait en me servant d'un travail qu'il a confectionné pour rendre hommage également à un de ses maîtres, un grand maître qui est le professeur Pierre-François Gonibec. C'est donc le célèbre article sur l'essor des constitutions du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire, étude de quelques cas de constitution Janus. Nous n'avons pas de temps, parce que j'aurais épuisé mon temps en lisant simplement le titre de ma contribution. Janus, c'est le dieu romain. Le dieu romain des portes, c'est un dieu qui est expressif du double visage. Janus Bifrons, c'est un dieu à la double face. C'est lui donc qui a été le prétexte que le professeur Joseph Ouna a pris pour rendre hommage à son maître. Et nous verrons à la fin pourquoi ça n'était pas un hasard. Janus accompagne Iovis Pater, Jupiter, Jupiter, ce Jupiter romain qui est l'Obatara Yoruba, qui est l'homme étalé chez les voies, qui est Tarayayo, le dieu du ciel. La théorie de la constitution Janus est d'abord une théorie juridique, d'où l'idée d'une modélisation théorico-juridique. C'est ensuite une politique juridique. Il y a donc un aspect qui relève de l'idée, il y a un autre aspect qui relève de la pratique. Et c'est à partir de là qu'il construit une théorie critique du droit, une théorie critique du droit qui se nourrit de thématiques récurrentes chez les juristes, évoquant ici Caïn Perlman et Georges Kalinowski sur la question des antinomies juridiques. Le grand maître Joseph Ouna parle de contradictions constitutionnelles lorsqu'il évoque ces questions. C'est donc l'analyse de la dualité du dualisme. Cette analyse a une portée. Elle a d'abord un contexte. Au moment où Sir Joseph Ouna a écrit ce texte, nous sommes en 1985, ce texte dans les mélanges Gonibec. À la même période, Jacques Comaille et Jean-François Perrin, dans le premier numéro de la revue Droit et Société, évoquent également Janus pour précisément parler de la sociologie du droit. Et on a là un cas d'une invention parallèle sur la base d'une intuition commune. Sociologie du droit pour Comaille et Perrin, théorie du droit constitutionnel pour Joseph Ouna. Ce n'est pas pour rien que Joseph Ouna a écrit sur Janus, parce que son nom, son prénom Joseph, signifie Janus. Julia! Julia! Égyptien signifie Jean. Yuya, Yuyu, Yuya signifie Jean. C'est de là que vient le Yéha et le Yaya qu'on va trouver en hébreu et en arabe. Mais Joseph, c'est Jean.
Joseph, c'est genre pur, Yuyasof, Yuyasof, Yusuf, Yushif, Janus, et bel et bien Joseph. Et Yusuf, comme le dit Gérard Massi Égyptologue, c'est le signe de la double divinité, c'est le signe de celui qui est du ciel et de celui qui est de la terre. Joseph est celui qui est du ciel et celui qui est de la terre. C'est le signe de la double royauté de Hor, le pharaon égyptien en tant qu'être. C'est donc la théorie de la dualité. Et cette théorie de la dualité, qui est partie d'une logique eurafricaine, est revenue à l'Afrique. Parce que derrière Yanus, il y a Anubis, le dieu chacal, Inpo, qui est comme Yanus, un gardien des portes. Il y a Ater, qui est également un dieu double visage, représenté par deux lions. Il y a Routi-Béti, un autre dieu représenté par deux lions. Yanus montre en réalité que son origine est, comme le dit Alain Ancelin, la théorie africaine du pouvoir basée sur l'idée que le pouvoir est double, comme le dit Ancelin. Le pouvoir est double et ce pouvoir, l'héritage que nous donne cette théorie de Janus, je finis là-dessus, c'est l'héritage des animaux tachetés, les lions, les panthères, les léopards et les civets. C'est dans cette clé, dans cette zoonomie, dans cette zoonorphie que se trouve la théorie véritable de l'État, la théorie véritable de la politique dont les sources sont africaines. Je vous remercie. Il m'a dit, au seul Guillaume, il faudra signer l'assistance. D'abord, mes regrets au seul ministre d'État de ne pas pouvoir être là, puisque j'ai été invité formellement. Et il m'a chargé de dire ceci. Le professeur Joseph Owona a tracé une aristocratie scientifique du droit sur le continent africain. Son action est très visible sur le terrain public, où il a occupé une demi-douzaine de portefeuilles ministériels. Et partant de cela, il a contribué efficacement à rapprocher le président Paul Biya des universités et des universités camerounaises. Félicitations. En l'honneur du professeur Joseph Owona, un homme d'exception dans toutes les dimensions du terme, le ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur, le professeur Jacques-Famille Nombo a convié ce jour dans cette salle les collègues, les agrégés du maître, ses étudiants,
et ses nombreux amis pour offrir au professeur Joseph Fourouna, comme l'exige une tradition universitaire, ce recueil de mélange intitulé Déception en droit. Le questionnement est de savoir ce qui fait du professeur Joseph Fourouna une exception du point de vue scientifique. Le professeur Joseph Fourouna, après ses études secondaires, sanctionné par un bac scientifique, je lis bien bac scientifique, poursuit des études supérieures d'abord à l'Université fédérale du Cameroun, couronnée par une licence en droit et sciences économiques, option droit public. Puis, à l'Université de Paris, à Sorbonne, il récoltera dans ce temple du savoir, un DS de droit public, un DS de sciences politiques et soutiendra en 1972, dans la même université, une thèse de doctorat d'État en droit public sous le thème « La notion d'intégrité territoriale dans la vie et le droit constitutionnel depuis 1789 ». Il réussit en 1977 le concours d'agrégation de droit public et sciences politiques en France. En effet, la référence aux instructions politiques, à côté des droits constitutionnels, dans l'intitulé de l'ouvrage, déplace les analyses du champ de droit vers la science politique. Cette approche constitutionnaliste, ouverte à la science politique, est également présente dans l'ensemble des autres travaux réalisés dans le domaine du droit constitutionnel. C'est le cas dans son ouvrage « Le droit constitutionnel et les régimes politiques africains » ou encore des articles « L'essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique, étude de quelques constitutions, la nouvelle constitution camerounaise du 20 mai 1972, de l'État fédéral à l'État unitaire, ainsi que la réforme politique et constitutionnelle de la République unie du Cameroun. Poursuivant les investigations, on se rend à l'évidence que la passion du maître pour les études politiques et constitutionnelles est loin d'être assouvie. Tout au début de sa carrière, tant au début de sa carrière que pendant sa retraite académique, il continuera d'écrire sur les régimes politiques. Ainsi, après une thèse consacrée au droit constitutionnel français, nous l'avons signalé, il commet une série d'articles et d'ouvrages sur les régimes politiques africains et asiatiques. Sur le Congo, par exemple, c'est la nouvelle organisation des pouvoirs publics en République du Congo, Benin 1980. Sur le Benin, c'est la nouvelle constitution de la République populaire du Bénin, un présidentialisme monopartisan de l'Assemblée, revue juridique, indépendance et coopération de 1980. Bon, j'ai préféré le concept d'observation à celui de critique, comme me l'ont suggéré les organisateurs de cette cérémonie de dédicace. En effet, comment ne pas apprécier à sa juste valeur l'engagement d'une trentaine de disciples réunis pour magnifier l'œuvre de nos réceptions. Le passage d'une icône qui aura marqué d'un seul délibile sa présence dans le monde universitaire, tant dans son pays qu'à l'étranger. J'ai choisi, dis-je, faire des observations et non des cris parce que Monsieur Ondoa Magnoa et Monsieur Patrick Edla Abalengolo ont démontré à suffisance leur capacité à diriger une équipe, à conduire à son terme le délicat projet de mélange en l'honneur de notre maître à tous. À travers ce bilan d'ouvrage, ils ont réussi l'espoir de faire entrer le dédicataire dans la légende. Cependant, comme le savent les professeurs Ondoa Magnoa et Patrick Edla Abalengolo,
Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le perfectionnement étant un processus dynamique. Par exemple, nous aurions aimé que les directeurs justifient tant soit peu certains de leurs choix, tels que le titre de l'ouvrage, ensuite la réduction de l'homme d'exception à l'exception en nous. Chaque contributeur a excellemment rendu hommage au maître dans un sujet choisi personnellement sans lien avec l'exception en nous. Cette liberté a projeté en fin de compte l'image d'une production critique qui renvoie à la sensibilité de chaque auteur. En cette occurrence, je me suis demandé s'il fallait un titre singulier à ces images. En effet, pour que le contenu de l'ouvrage reflétât son titre, il aurait tout simplement suffi d'intituler cet admirable travail « Mélange en l'honneur de Joseph Roulin ». À mon sens, pour conserver le titre « L'exception en droit », qui était porteur au plan esthétique, les directeurs auraient pu, dans l'argumentaire scientifique de l'appel à candidature, élaborer un discours préliminaire pour planter le décor sur la notion d'exception, son appropriation par le dédicataire et les dynamiques de sa pensée sur l'institutionnalisation des exceptions. Ces clarifications auraient permis de savoir quel contenu donner à l'exception qui interne apparemment par la légère. Si l'exception est indissociablement liée à la règle de droit, ainsi que l'illustre les adages d'exception confirme la règle, ou pas de règle sans exception, la détermination de son sens dans le langage de droit reste en revanche maîtresse. La doctrine s'est jusqu'à présent assez peu intéressée à cette question. Habituellement, on utilise indifféremment les termes exception, dérogation, exemption, distance, privilège, exonération. Un travail de clarification et de définition aurait donc été opportun pour mieux situer l'œuvre du dédicataire et son apport dans la construction de la doctrine du droit public en honneur, ainsi que les axes de réflexion à prospecter. S'agissait-il de l'exception en droit public ou en droit privé? En conservant comme titre l'exception en droit, nous écartons une éventuelle division scientifique du droit et consacrons ipso facto la transversalité qui est un attribut essentiel de la science du droit. Dans cette logique qui ne distingue pas le domaine du droit public de celui du droit privé, les contributions du droit privé auraient été plus abondantes. Ça, c'est une critique de méthodologie, c'est une idée. Deuxième critique, la réduction de l'homme d'exception à l'exception en droit. Il est question de savoir si le titre d'exception en droit, tel qu'il est formulé, renvoie à l'immensité des travaux du maître. En plus de la légalité des sujets, il a écrit sur tous les compartiments du droit public. Il a élaboré des constitutions, des lois, des décrets sur les universités, sur les écoles professionnelles, voire des textes sur les associations professionnelles. Bref, il n'y a pas un pan de l'État qui ait été soustrait de la réflexion du professeur ou de son action. D'où la question. Peut-on dire que l'exception en droit est un identifiant, un déterminant pour désigner le professeur Joseph Roulin? Au regard de la personne et ses œuvres, il me semble que ce titre est un peu réducteur, sauf s'il est utilisé comme prétexte pour s'élever le maître, comme la plupart des contributeurs l'ont fait. Conclusion. Sur toutes ces réserves et sous peine de contradiction, je concluais ma note en reconnaissant avec ma grande voix et Patrick Elta Avané Ongolo les vertus de l'exception dans l'ordre juridique. Lorsque le poète Victor Hugo
écrivait que les règles sont utiles au talent, mais nuisibles au génie. Il reconnaissait de la sorte l'importance des règles, mais plus encore celle de l'exception qui présente trois vertus. C'est vous dire, mesdames, messieurs, ce que le professeur Honoré Joseph a été et est pour moi, c'est-à-dire un homme d'exception. Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État de l'enseignement supérieur, chancelier des autres académiques, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le recteur, chers collègues dans le magistère universitaire, tu vois même plus, mesdames et messieurs les députés spéciaux, mesdames, messieurs, permettez que je souligne en quelques traits et en cette occasion consécratoire des reflets humains et scientifiques saillants qui transparaissent d'une époque à l'autre de l'itinéraire de vitrine exceptionnelle de celui que nous célébrons ce jour, Joseph Rouenat. Comme il a été dit, ce pionnier du concours d'agrégation de droit de 1977, il faut le dire ici, à la suite de son plus de dévancier de droit privé, sa mise à ce moment-là en 1973, ce professeur titulaire émérite, auteur prolifique dans son domaine de spécialité et voire au-delà, inspirateur vigilant d'une multitude de disciples parvenus par sa main au même palier académique que le maître. Altum cum atum, cette citation latine signifie jette les filets et la maçon sera grande. Oui, la maçon de notre corona a été débordante. La société camerounaise de sacre léger n'aura de cesse. Maintenant, aujourd'hui et demain, à rendre témoignage à des profils, à ces profils pas ordinaires, pour ne pas dire extraordinaires. Messieurs les chanceliers de l'Ordre académique, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre patience et attention. Il n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un homme de droit commun. Il est exceptionnel et il s'est souvent occupé des questions d'exception. Il s'est occupé des questions d'exception dans le domaine du droit à travers un article très retentissant qu'il publie en 1975. Et 1975, c'est quand même la date de restauration de la fonction de Premier ministre. Je veux dire l'année de restauration de la fonction de Premier ministre au Cameroun. C'est 3 ans après l'unification, c'est à peine 15 ans après ce que l'on a appelé les indépendances du Cameroun. Il intervient donc cet article dans un contexte de balbutiement. Nul ne sait d'où vient notre droit. Nul ne sait ce qu'est le droit au Cameroun. Beaucoup se perdent dans la théorie du mimétisme juridique à l'époque et disent que ce droit du Cameroun est puisé, inspiré de la France. La règle n'est-elle pas l'exception?
la véritable problématique de l'application de l'exception. Et donc, on verra que dans toutes les sciences, cette problématique se pose. Je voudrais ici prendre deux exemples. L'un en mathématiques et l'autre en droit. En mathématiques, j'ai failli dire, et je ferai mieux de dire, en arithmétique, la formule 1 plus 1 égale 2 est la règle, en apparence. Mais en réalité, c'est une exception. Parce que la règle, la formule 1 plus 1 égale 2, est la traduction juridique des principes d'égalité. Pour que 1 plus 1 donne 2, il faut qu'il s'agisse d'éléments absolument identiques dans leur nature d'abord. Et quand je dis nature ici, je considère le concept de nature dans sa perception fondamentale, celle-là qui confond, qui assimile nature, ADN et ipsen, comme le disent et le disait un philosophe, Vladimir Yankelevitch, la nature étant le plus petit élément distinctif. Dès lors, le 1 plus 1 ne donnera 2 que si nous avons deux objets de nature identique, de taille identique, de caractéristiques identiques, et surtout deux objets qui doivent être séparés. L'exception permet également la flexibilité du droit, permet que le droit, à travers ses valeurs, soit instillé dans toutes les couches de la société. Mais surtout, l'exception est la manifestation de l'humanisme du droit. La souplesse, l'humanisme. Voilà les principes cardinaux qui gouvernent l'exception. Une exception qui n'a pas pour objectif la recherche des deux poutres maîtresses du droit. Parce que le droit, c'est un instrument de recherche du bonheur et de la liberté des hommes. Un instrument de protection de la vie. Et l'exception doit être guidée par ce principe-là. L'exception humanise donc le droit, parce qu'il y a le droit que d'humain. Le droit est un outil de l'humanisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la définition de l'état de droit a évolué. L'on ne dit plus que l'état de droit, c'est l'état qui respecte le droit. L'on dit désormais que l'état de droit, c'est celui qui respecte un droit lui-même respectueux des droits de l'homme et des principes de liberté. L'exception, elle est nécessaire. L'exception est même indispensable. L'exception, c'est finalement le droit, parce que le droit est l'outil grâce auquel l'individu vit. Et il n'est pas normal que ce droit-là ne se préoccupe pas de la vie, de la liberté et du bonheur, selon la théorie jus naturaliste du droit. Cher maître, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est un homme immense et on le célèbre, mais pour le célébrer avec tous ses beaux discours, il faut bien qu'on matérialise cela. Nous sommes en droit et il y a un très bel ouvrage. Cette cérémonie, dommage au professeur Jean-Paul Renard, va appeler
dans cette séquence, une petite exception, parce que nous allons nous réduire aux facultés des sciences juridiques et politiques. Et lorsque je dis faculté des sciences juridiques et politiques, vous entendez le mot doyen. Quand on dit doyen, pour un enseignant de fac de droit, comme on dit classiquement, ça signifie beaucoup de choses. Je vais donc inviter les doyens de fac de sciences juridiques et politiques qui sont présents dans la salle. C'est eux qui vont solennellement procéder à la remise physique, à la remise matérielle de l'ouvrage en hommage au professeur Joseph Ouna. Je voudrais indiquer que le professeur ne doit pas avoir doyen. Le recteur ne doit plus s'asseoir, puisqu'il est doyen. Honoraire, monsieur le doyen, on doit m'avoir. Oui. Vous n'avez pas votre bavette en dentelle, mais vous restez doyen. Vous allez conduire ce collège des doyens à l'effet de procéder à la remise physique. À ce moment, je voudrais inviter le professeur Ouna à venir. Bien, messieurs les doyens, accompagnez donc le maître, reprend sa place à la tribune d'honneur et vous-même, vous allez reprendre vos places au moment où je disparais des raisons. Merci. Chef du département de droit public et chef d'établissement à l'élite,
chancelier de l'Université de Yaoundé et président de la conférence des chefs d'institutions universitaires et enfin ministre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je me sens porté au panthéon de l'honorabilité par l'offre de ces mélanges, œuvre de mes petits-fils et de mes fils académiques. Aussi s'impose à moi l'impérieux devoir de remerciement et de reconnaissance infinie à tous ceux qui ont mis la main à leur plume pour faire jaillir la phosphorescence de leur intelligence et à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce jour. Tous, autant qu'ils sont, vieux et jeunes talents de l'université, je pense particulièrement à tous, je pense particulièrement au recteur de l'Université de Douala, cher professeur Ondoa Magloire, à qui j'ai d'ailleurs dû mon retour à l'université. Et je pense à l'autre jeune cadet, le jeune collègue, le professeur Abané Golo, dont j'ai présidé la thèse. Merci et grand merci. C'est l'occasion pour moi d'adresser un vibrant hommage au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques en fonction, le professeur Famé Ndongo, sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Merci, jeune frère. Merci, éminent collègue. Merci, grand camarade du Sud. Mais je pense également à ces éminents maîtres du doctorat qui m'ont particulièrement marqué. Le professeur André Mathieu, maître de thèse et maître de la Munissie, spécialiste du droit constitutionnel anglo-saxon et nord-américain. Le professeur Jean Rivero, virtuose des mots et des concepts, mais pourtant humble et sempiternel sceptique savant du poids aux éternelles questions dubitatives qui sont de l'âme et des problèmes. Au professeur Charles Rousseau, champion de la clarté, du dit simple dans un monde où le parler hermétique et compliqué prolifère. J'ai dit merci également au professeur André Oriou, fils de l'autre Oriou, de l'illustre Oriou, ancien président du gouvernement de la République française à la Libération. Et j'ai dit enfin merci au professeur Chapeau, qui, Henri Chapeau, ancien chef du département de droit public à l'Université de Yaoundé, qui mobilisa tout le staff de la faculté de droit d'Orléans pour me préparer au lieu du concours français de l'agrégation. Cela pour rien, cela sans autres intérêts que l'amour du droit et l'attachement au département de droit public de l'Université de Yaoundé. Ce long maternage m'a appris ce que j'essaie de savoir et que je m'efforce de transmettre à tous mes étudiants sans distinction de race, de tribu, de religion ou de pays. Je ne suis ce que j'ai été et je ne suis ce que je suis que grâce à l'État du Cameroun. La République du Cameroun a payé mes études. Je lui suis éternellement reconnaissant et je suis tout aussi reconnaissant à son Excellence Paul Biya, président de la République, qui sut briser lors de mon parcours quelques sombres complots tendant à m'empêcher de présenter le concours de l'agrégation française. Mesdames, Messieurs, de mars 70 à avril 220, j'aurais fait 50 ans de carrière. J'aurais connu des sarabandes d'étudiants de toute nationalité, dont un président de la République, vite assassiné d'ailleurs,
un vice-président de notre République, une célèbre candidate à la présidence de la République française, des centaines de ministres du Cameroun, certains sont d'ailleurs dans la salle, et d'autres pays africains et de nombreux diplomates. Et s'il y avait un viatique à transmettre aux jeunes générations, je dirais tout simplement ceci, du travail et toujours du travail. Le culte du mérite, l'appréciation de la valeur, le don de soi permanent pour la transmission du peu que l'on sait et que l'autre en face à qui on le transmet, que l'autre pourrait mieux fructifier. Encore une fois, merci à tous, merci pour tout, merci surtout également aux générations d'étudiants qui ont su façonner le vieux maître. Le vieux maître s'en va. Adieu. Chers membres de la société civile, mesdames et messieurs les professeurs, chercheurs, étudiants, personnels d'appui, et je n'oublie pas les artistes qui nous ont illuminés de leur talent. Mesdames et messieurs, alors qu'inexorablement nos oreilles frémissent encore sous le charme des douces sonorités de la magnifique symphonie
intellectuelle que nous venons d'entendre. Alors que les savants de la chose juridique, res juris, la chose du droit, viennent de scander les subtilités ineffables de cette science transversale et incontournable. Alors que la communauté universitaire vient de rendre un hommage vibrant et épatant à l'un de ses diamants les plus étincelants. Il me soit l'honneur et le bonheur, sinon l'auguste privilège, de magnifier avec ferveur et ardeur au nom du gouvernement de la République, Director by His Excellency Chief Dr. Joseph Timothy, à l'ombre tutélaire de Son Excellence Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, inspirateur de la nouvelle gouvernance universitaire, il me soit l'honneur, dis-je, de compter les hauts faits de l'un des gladiateurs les plus flamboyants de la science du droit au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. J'ai nommé le professeur Joseph Owona. J'ai dit la science du droit, j'aurais pu dire la chose du droit, comme Michel Foucault dans Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines, ou le poète latin Lucrèce dans son De natura rerum, de la nature des choses. Car l'étymologie latine du mot chose, que l'on a tendance à banaliser dans le langage courant, la chose, l'étymologie latine du mot chose, l'évolution populaire, nous ramène au lexème causa, qui est devenu cause en français à la suite d'une évolution savante. Ce vocable renvoie aux notions suivantes: cause, origine, principe, raison, motif, sujet, prétexte, sujet de guerre, affaires judiciaires, procès, cause, parti politique, intérêt, liaison, relation, etc. Voir le dictionnaire latin-français, librairie Hatier, Paris, page 93. De ce substantif polysémique, s'il en fut, je retiens pour la circonstance la notion de raison. En effet, le droit est avant et après tout raison. On l'a bien senti lors des interventions des uns et des autres, qui n'ont pas manqué de montrer l'importance de l'exception en droit. Donc raison, au sens où l'entendent les philosophes rationalistes, dont la fine fleur est incontestablement l'allemand Emmanuel Kant, sans oublier Hegel. La preuve, le premier impératif catégorique de Kant participe d'une logique arithmétique. Rationalité, universalité, clarté. Je cite Kant. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle. Voilà une loi mathématique. Si tout citoyen dans le monde, à travers le monde, respecter scrupuleusement cette maxime, le loup dormirait à côté de l'agneau et homme ne serait pas homini lupus, c'est-à-dire l'homme ne serait pas un loup pour l'homme, comme l'affirme Hobbes. L'accusé lui-même réclamerait le juge, comme le malade réclame le médecin, ainsi que le souhaite Platon. Le théoricien et le praticien du droit ne marcheraient pas sur des épines, mais sur du velours. Mais, disait Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, et on a le malheur que qui fait l'ange fait la bête. Au plan logique ou sémiotique, j'ai retrouvé cette universalité et cette rationalité. Ce rêve platonicien
ou platonique, selon le cas, dans les écrits et les propos du professeur Joseph Ohona, dans les interventions méticuleuses des exégètes de sa production scientifique, qui vient de décrypter ici et maintenant la quintessence de la cause, la chose, la cause, devenue la passion et l'ambroisie du professeur Joseph Ohona, et la somme monumentale qui nous est présentée ce jour. Riche de son intelligence d'exception, de sa mémoire phénoménale, je puis le témoigner, il était capable de réciter un livre entier d'histoire ou de géographie au Collège Vogt, et de son intrépidité comportementale, c'est un être courageux, brave, preux. Il partit de son rocher d'Akoum, près d'un vengeux dans l'océan, pour dompter la science du droit, sur les bords de la Seine, à Lutèce, l'ancien nom de Paris, la ville des Lumières, en passant par l'Holodorf, Mbalmayo, le collègue François-Xavier Vogt, envolié, qui formata sa culture et sa spiritualité. Ora et labora, telle était la devise du collège Vogt. Prie et travaille. Ainsi que le campus de Ngoyekele, la pierre suspendue. Son trophée sapiential, c'est l'obtention de l'agrégation des facultés françaises de droit à 32 ans en 1977. À l'époque, ce fut une prouesse, ce fut un fait inédit. Il fut l'assistant du professeur Pierre-François Golidec à l'Université Paris 1, avant de rejoindre le corps enseignant de l'Université de Yaoundé. Je ne chante pas comme Virgile dans l'Énéide les hauts faits du chancelier honoraire et du professeur émérite Joseph Ohona, encore moins ses prouesses administratives, institutionnelles et politiques. Je laisse le rôle aux hagiographes et aux biographes de l'éminent professeur, dont la devise pourrait être Ad Augusta, Per Angusta, c'est-à-dire vers les cimes par des voies étroites. Rien ne lui fut donné. Il a dû travailler. Il est passé par des voies étroites. Il a atteint les cimes. Voilà le modèle. Voilà l'exemple à suivre. A contrario, je félicite, au nom de la République et de la science, les brillants intervenants du jour, les 31 contribués compris, les médecins. Je me demande pourquoi le professeur Nam n'a pas choisi les belles lettres. Mais c'est son choix. Les brillants intervenants du jour, les 31 contributeurs de la somme intitulée L'exception en droit, ainsi que les deux co-directeurs des mélanges. Ce sont tous des érudits. Le Cameroun est fier de vous, chers contributeurs, chers amis. Joseph Ohona s'en va. En fait, il ne s'en va pas. C'est une figure de style. Joseph Ohona s'en va et il laisse des disciples extraordinaires, époustouflants et aussi intrépides que lui. Je réitère mon admiration profonde pour ça, Joseph Ohona.
dont la connaissance juridique encyclopédique est une connaissance, cum nascere, naître avec, pour reprendre la célèbre sentence de Paul Claudel. Et je lui dis affectueusement, comme Cicéron à Catilina, mais avec une connotation améliorative, parce que Cicéron avait utilisé une connotation péjorative pour Catilina, mais là, c'est une connotation améliorative. Je cite Cicéron, Quaecum itasint, Catilina, perge quae coepisti. Traduction. Les choses étant ce qu'elles sont. Oona, continue dans la voie où tu t'es engagé. Je dis bien continue parce que tu dois continuer. Tu ne dois pas partir. Les universitaires te veulent, te demandent, te redemandent. Tu seras toujours à l'université. Continue donc dans la voie où tu t'es engagé, la voie lumineuse de la science, de la compétence, de la reconnaissance, la connaissance perpétuellement renouvelée et de la transcendance. Vive la science juridique, imprescriptible et imputrescible. Only knowledge and science. Only Cameroonian universities. Only His Excellency Obia, Apostle of New University Governance Policy. Only Cameroon, our dear and beloved country. Thank you for your kind attention and may God bless us all. Oh, yeah, oh, my boy, I'm done.